amie Élise est avec moi aujourd'hui et on va au saut d'Acoma. Et aujourd'hui pour ce vlog, je vais vous montrer encore d'excellentes images. Voilà, on va passer la journée avec Élise, on va faire des choses assez intéressantes. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez apprécier les images que vous allez voir. Voilà, donc encore une fois dans un chemin démonté comme jamais. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc là vous voyez, on est en hauteur et il faut qu'on descende juste en bas. Donc je précise, si vous venez ici, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Et voilà, nous y sommes. On va tranquillement se rapprocher de la chute. Donc il y a encore un petit peu de marche à faire. La populace, j'ai pas filmé le retour puisque c'était un petit peu compliqué de grimper et tout. Mais franchement, c'est faisable. Si moi j'ai réussi à le faire, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Il y a juste un petit truc qui s'est passé. Donc c'est bon, on est installé au restaurant et on a une vue magnifique. Ils font le château. C'est trop bien, c'est du poulpe grillé. Trop bien, trop bien. Je vais prendre ça. Si vous venez en Guadeloupe et que vous avez besoin de bons plans, de bons restaurants pour manger, de découvrir des rivières que vous connaissez pas, c'est Élise qui pourra gérer tout ça pour vous. Moi-même, je suis Guadeloupéen, hein. Je suis né ici, j'ai vécu ici, il y a des choses que je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un sur place qui nous rappelle qu'on a loupé quand même pas mal de choses lorsque je vivais ici. À nos vacances, à notre amitié et à plein d'autres choses. Qui va durer, bien sûr. C'est trop bon. J'ai eu mon chatrou. Je suis trop content avec de la purée de Giraumont, Christophine et gratin de banane. Waouh, je suis au paradis. Et toi, Lily, tu as pris du poisson, mais tu as pris quoi? Du loup. Du loup? Oui. Ah, ok. Bon appétit. Merci, à toi aussi. Ah. Moi, en fait, j'ai la chance. Oui. Bon, ben avant, après, et les aussi. Alors, t'as aimé? C'était bon? C'était délicieux. Franchement, 10 sur 10, 20 sur 10, 100 sur 100. C'était parfait. Délicieux. Maintenant, on va passer à l'étape où il faudra payer. Ça sera un petit peu plus compliqué. Mais c'était parfait. Parfait. Franchement, le rocher de Malandur, si jamais vous voyez cette vidéo, je vous donne un 100 sur 100. C'était exquis. La famille toujours abouillante. Là, on va se baigner dans une plage un peu particulière. C'est une plage qui est nommée le bain chaud de Bouillante. En fait, c'est une plage qui est très chaude. L'eau est très 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 chaude. Il y a cette odeur de soufre un peu qui y dégage. Pour la simple et bonne raison que vous avez la station géothermie qui est juste ici. Et en fait qui rejette sa chaleur
dans l'eau. Donc c'est pour ça que l'eau, elle est très, très 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 chaude. Donc voici la mer. C'est ici. Je pense pas qu'on va trouver beaucoup d'ombre. Let's go. L'eau est très 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 chaude, mais c'est drôle parce qu'en fait vous avez des petits courants froids à l'intérieur. Donc ça fait une petite sensation bizarre, mais franchement c'est grave bien. Merci beaucoup de m'emmener dans ces endroits. À la découverte de mon chez-moi, grâce à mon ami. Bon la famille, j'ai pris mon bain. Écoutez, c'était vraiment bon. Mais s'il faisait plus froid à l'extérieur, ça aurait été encore meilleur. Mais c'était vraiment sympa, parce que l'eau, elle est vraiment très 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 chaude. Et ça fait du bien pour le corps. Mais là, ça donne limite très très soif. Donc on va aller se prendre un truc à boire dans le petit truc à côté. Mais voilà, c'est une chose à faire et je suis très 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 content de l'avoir fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, de la partager et de m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais continuer mon aventure guadeloupéenne et je vous dis à tous à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Ciao !